Au miel, tu sais dessiner, c'est très bien. Et je vais t'apprendre à améliorer ton dessin parce qu'il y a des trucs, faut que t'arrêtes. Regarde mon bras et plisse des yeux. D'où est-ce que vient la lumière? La lumière vient de là, et ensuite l'ombre est ici. On va prendre l'exemple d'une balle. Et on va dire que la lumière vient de là. Comme tu l'as vu sur mon bras, ça veut dire que la zone opposée à la lumière va être dans l'ombre. Sauf que tu te doutes bien que c'est pas juste plus foncé et plus clair. Il y a plein de choses à l'intérieur. Après avoir séparé ça en deux, on va mettre ce qu'on appelle le corps shadow. C'est la zone frontière entre la lumière et l'ombre. Après ça, on va dégrader la lumière vers le bas. Et tu vas également dégrader vers le haut. Et après ça, tu vas remarquer que ici, c'est la zone où il y a ta lumière. Et pour finir, on va faire des ombres. Et la zone la plus sombre du monde, c'est celle-là. Ça s'appelle l'occlusion shadow. En gros, c'est quand deux trucs se touchent. Regarde sur tes doigts, tu vas voir, c'est tout noir entre les deux. Ah, et juste avant que je te montre la fin, tu peux t'abonner si t'apprends un truc, vraiment, c'est très cool. Et pour finir, tu vas juste faire l'ombre dans l'autre sens de la lumière. Et tu sais faire des ombres et des lumières. Mais par contre, à son âge, faire ce genre de truc, c'est incroyable, donc on peut l'applaudir dans les commentaires. Du coup, tu t'abonnes ou pas?